Bien, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, vous remercier pour votre présence, qui est une manifestation importante pour le chef Rahoni et son neveu Mekran, pour sensibiliser l'opinion que si le Brésil est aujourd'hui au cœur de tous les regards des médias pour la Coupe du Monde, il y a peut-être quelque chose de plus important, c'est que au Brésil bat le cœur de la forêt amazonienne, qui est aussi le cœur de notre monde. Et je vous remercie de bien vouloir assister au film de ce soir pour les accompagner dans le combat qu'ils mènent contre l'édification du barrage Belo Monte, et de ne pas oublier que gardien des racines, si nous voulons garder la capacité de résister aux tempêtes, nous avons besoin de préserver nos racines, quelles qu'elles soient. Et que la richesse du monde, c'est sa diversité, et qu'à chaque fois que l'on recule sur la biodiversité, sur une identité d'un peuple, c'est le monde entier qui recule. Et donc merci pour votre présence, merci pour les leçons que vous nous donnez, merci pour la sagesse à laquelle vous nous invitez, et vous avez ici devant vous des amis qui partagent avec conviction le combat pour les causes que vous défendez. Je suis ici très heureux d'être reçu par vous. Je voudrais simplement transmettre ma préoccupation avec la déforestation, la construction des barrages et tout ce qui est en train de survenir actuellement au Brésil. J'ai toujours enseigné qu'il faut que nous vivions tous ensemble sans aucun problème, sans bagarre, sans dispute, sans querelle. Nous devons vivre en paix, sans conflit, sans problème. Et ça c'est ma demande et c'est mon enseignement. C'est ce que j'enseigne partout où je passe. Tania, mané. Não me ouvi com aia, me moia a pia o caju a neva com mariquim. Que já com meiga bem má, que já com meia bem colpa com a benjin, moia o meiga, me penira, como o mari me bata o juba com a imatã, bó, ngô, puka, meiga, juba, tá né? Nós devons discutir sur le futur de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Nous devons laisser la forêt pour eux. Nous devons laisser les choses pour qu'eux puissent eux également vivre sans problème.
Ça, c'est tout ce que j'ai à dire, et ça, c'est ma préoccupation avec la forêt, la rivière et mon peuple. Et c'est tout, c'est tout. Je n'ai pas d'autres messages à vous faire pour l'instant, et je vous remercie très fortement. Je vous souhaite un très bon film. Je suis Gerd Peter Bruch, président de Planète Amazon. Vous allez voir pour la première fois en France Belo Monte, une guerre annoncée. Regardez, lisez, écoutez attentivement. On en reparle après. Merci. Merci pour le cacique Raoni. Merci pour le cacique Mégaron. Merci à vous d'avoir regardé ce film avec toute l'attention qu'il mérite. C'est la toute première fois qu'il est diffusé en France avec des sous-titrages français. C'est un film extrêmement important. Je veux dire un petit mot juste sur ce film. Il a été réalisé par un jeune réalisateur brésilien, ce qui fait sa grande force aussi également. C'est un film qu'on a tenu absolument à vous montrer ici en France pour des raisons diverses et variées, mais notamment parce qu'il y a malheureusement l'implication d'entreprises françaises dans le projet de barrage de Belo Monte et dans d'autres projets de barrage en Amazonie. Ce qui est extrêmement important aussi de dire, c'est que ce film a été tourné déjà il y a un petit moment et que nous rentrons dans une phase critique du projet puisqu'il est question que dès l'année prochaine, les premières turbines de Belo Monte, qui sont donc de fabrication française par Alstom, commencent à tourner dès l'année prochaine en 2015. Là n'est pas tout le propos de cette soirée. C'est une soirée qu'on a voulu comme un hommage au cacique Raoni, qui depuis 25 ans vient nous alerter dans le monde entier. Il a commencé en France il y a 25 ans. J'étais présent et j'étais déjà extrêmement touché par ce qu'il pouvait nous dire. Il était venu avec Sting à l'époque. Mégaron était là aussi. Et ils nous ont touchés à l'époque. Ils nous ont alertés. Nous les avons écoutés. Nous avons été extrêmement émus par leur cause et par ce qu'ils représentaient et par la force de leur message. 25 ans de voyage à travers le monde pour continuer à alerter les grands. Ils ont rencontré François Mitterrand en 1989, puis le cacique est revenu en 2000, 2001, de nombreux voyages à travers la planète. Beaucoup se disent, ça a servi à quoi tout ça? Moi, je peux vous répondre. Parce que quand je me rends au village de Raoni, là-bas, sur place, je vois que tout ce qui n'a pas réussi à protéger est détruit aujourd'hui. Il ne reste plus rien tout autour. Donc, bien sûr, on aurait pu faire plus, bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais ça, vous avez un petit peu l'image quand vous voyez, quand vous prenez l'avion et que vous arrivez aux limites du territoire Kayapo, vous avez un peu l'image d'un film de science-fiction célèbre, donc je ne fais pas la publicité ici, mais Matrix, l'homme qui arrête les machines. Et moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, en voyant cette image incroyable où tout est coupé net, à gauche, vous n'avez plus aucune forêt. À droite, vous avez le territoire magnifique que le cacique Raoni a réussi à défendre. Et je me suis dit, le cacique, c'est l'homme qui a arrêté les machines. Bon, je ne vais pas parler beaucoup plus. Ce serait impoli devant de tels invités. Avant toute chose, je voudrais, avant les débats, puisque évidemment vous allez pouvoir entendre le cacique, je voudrais vous projeter un petit spot de la campagne qui est en cours. Vous savez que c'est la Coupe du Monde de football dans quelques jours. Vous savez qu'à cette occasion-là, les peuples indigènes du Brésil ont envie de rappeler au monde entier qu'ils existent. C'est extrêmement important. Et il y a cette campagne qui s'appelle le SOS Amazonia Tour. Et nous avons fait un petit film, la version francophone que vous allez voir est ouverte par un artiste que vous connaissez. Il y aura une version anglophone, il y aura une version brésilienne. Mais en attendant, avant toute chose, regardons ce petit spot tout de suite. Voilà, il va être lancé.
Le son plus fort, s'il vous plaît. Para conseguir progresso, para não acontecer um problema sério. Voilà. Alors, plutôt que de demander un boycott de la Coupe du Monde qui ne souhaite pas, d'ailleurs qui ne demande pas, c'est plutôt utiliser cette opportunité internationale, cette médiatisation multipliée par 100, pour multiplier vous-même d'ailleurs ces mains vertes, ces mains rouges un peu partout. C'est ce qu'appellent les caciques à faire et on vous demande de le faire de votre manière la plus simple possible. Mettez ça sur vos profils Facebook. Coller des autocollants, enfin faites des comment dirais-je, imprimer des choses, mettez-en partout ces mains-là. Voilà, c'est le but. Je vais vous présenter très rapidement les invités qui entourent les caciques, Cacique Raoni et Cacique Mégaron. Tout au bout, nous avons Felipe Milanes, que je vous demande d'applaudir aussi, chercheur, journaliste, extrêmement engagé dans la lutte pour la protection des peuples indigènes au Brésil. Un ami de longue date de nous tous ici. Ensuite, à sa droite, à votre gauche, en tout cas pour vous, c'est Valérie Cabanès qui est également engagée, elle, dans un combat très important, dans l'initiative Indicocide. Merci de l'applaudir également. Membre fondatrice de Planète Amazon, qui nous aide aussi beaucoup sur tous les aspects juridiques sur les entreprises autour du barrage de Belo Monte. Ensuite, vous avez notre ami traducteur qui est debout, qui s'appelle Arkane, qui est également un conseiller très précieux et un ami très cher. Vous avez Karine, qui est derrière aussi, qui est une traductrice émérite, qui nous accompagne souvent. Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales qui fait un travail merveilleux pour pouvoir savoir exactement ce que font nos entreprises GDF Suez, Alstom, Belo Monte, là-bas en Amazonie, qui permet d'informer la population. Il a des dossiers qui sont en ligne sur son site internet. Je vous recommande chaudement d'aller les lire. Applaudissez-le aussi, s'il vous plaît. Et un autre ami très cher, Philippe Desbrosses, que je connais depuis aussi un sacré moment, qui lui a une association qui s'appelle Intelligence Verte et qui est un paysan, un pionnier de l'agriculture biologique en France. Il a reçu le Cacique Raoni en l'an 2000. C'est un moment qu'on n'a jamais oublié et on a été extrêmement heureux de le revoir il y a très peu de temps et maintenant on ne le quitte plus non plus. Voilà. Bien évidemment, on va donner la parole tout de suite au Cacique Raoni et je voudrais... Première question, je voudrais lui demander
quelle fut sa première impression quand il est venu en France, lui qui n'avait jamais quitté le Brésil et qui ne savait pas comment il allait être reçu, si son message allait être entendu. Il a 25 ans. Quelles furent ses impressions et par rapport à l'accueil qui lui fut réservé? Voilà. Quel souvenir il en a aussi? Il va y avoir un petit temps de latence pour la traduction. Je vous demanderai d'être patient puisque Cacique Mégaron va faire la traduction en kayapo pour Cacique Raoni. Voilà un petit instant, il lui traduit en kayapo et après vous parlera directement. Alors, mais Kabelma, ouam, mala, il y a eu quoi, mais King, mais il y a eu, Il y a eu quoi, mais King, mais il y a eu. É a primeira vez que eu vim aqui, faz muito tempo. Eu fui recebido muito bem, primeira vez, quando eu vim aqui, junto com o Sting, foi recebido muito bem. Attendez, il paraît que ton son ne passe pas du tout, en fait. Il n'y a pas de traduction, on n'a pas le son de la traduction. Non, ce micro ne marche pas. Un petit instant, voilà. Allô? Voilà. Bon, je vais répondre à la traduction. La première fois que je suis venu ici, avec Sting, j'ai été très bien reçu. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai été reçu très bien. Et après... Quand je vais pour autre pays, também, et lorsque je vais dans d'autres pays, ils me receberam muito bem, ils me reçoivent très bien. Ils m'écoutent. Passei minha preocupação para eles. J'ai transmis mes préoccupations. Eles me escutaram. Ils m'ont entendu. Et primeira vez quando eu vim aqui foi recebido assim, muito bem. La première fois que je suis venu ici, donc c'est comme ça que j'ai été bien reçu. Tania, il y a Desde que eu vim aqui, falo da minha preocupação depuis que je suis venu ici, que je parle de mon préoccupation avec terre, la forêt, rio, et les terres et les rivières. Et também eu venho falando para a autoridade do Brasil, brésilienne, para nós respeitar o outro. Porque chacun d'entre nous, on não se respecte conflito, les uns les autres. Não tem conflito, não tem briga, porque não tem querelle, guerra, porque não há guerra. Para nós poder viver pour em paz, vivre en paix, alegre, contente, joyeux,
content, comer bien, pour bien manger, dormir bien, bien dormir. C'est ce que vient falando até hoje. C'est tout, c'est mon message jusqu'à aujourd'hui. Daniel, bah. Non, ma mère va être meilleure que ma mère. Rambri ne va qu'attendre, mais avec le même, mais bien au crème, je vais être meilleure que ma mère. Mais au mal pour nous, nous avons un maïkéne, un maïkéne, un maïkéne, un Depuis que j'ai commencé à passer ma préoccupation, problème pour. Você não é só mes problèmes, vous passez mes problèmes para vocês ou para brasileiro ou pour, même pour les peuples brésiliens. Mas eu também falo com meu povo. Je parle aussi avec mon peuple. Meus parentes indígenas. Avec mes pères indiens. Nós não ter problema para nós não ter. Porque nós não temos problema. Les uns avec les autres sans conflit. Não tem guerra com. Porque não há de guerra les uns avec les autres. Vamos viver em paz, vamos viver. Porque nós vivíamos em paz. Vamos sans querelle. Alimentar, comer direito, pour bien manger. Porque quando a gente briga, a gente não come direito, a gente não dorme. Parce que lorsqu'on fait la guerre, on ne mange pas bien et on ne vit pas bien. Eu quero assim que eu venho falando para. C'est ça mon enseignement à tout le monde. Porque eu quero que meus netos, meus bisnetos. Parce que j'avais que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Paz daqui para frente, quando eu não tô mais aqui. Lorsque je n'y serai plus. Eu quero que seus filhos, seus netos. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants. Grandissent et respectent et qui ont respecté mes petits-enfants qui naissent dans le village. Falando isso para todo mundo, c'est mon enseignement partout où je passe. Para branco e para índio também. Aussi bien pour les blancs que pour les indiens. Eu quero que meus netos vivam em paz com os netos. Je veux que mes petits-enfants vivent en paix avec les petits-enfants des autres. Eu venho falando até hoje. C'est ça mon enseignement jusqu'à aujourd'hui. Yabi para o catar minha mãe, mrambri de baixa peneira. Comer a beca baquine, a beca baixa um bico. Nunca mudei do meu discurso, minha palavra. J'ai jamais changé mon discours. Nunca mudei meu discurso, sempre isso que eu venho falando. J'ai toujours maintenu cette ligne. Eu venho falando desde quando eu comecei a me preocupar com a floresta. Depuis que j'ai commencé à me soucier de la forêt. Com o meu povo. Pour mon peuple, je n'ai jamais changé, j'ai toujours dit la même chose. Ça, c'est la vérité. Je ne vous dis pas seulement à vous, j'ai dit également à mon peuple. Et il faut qu'ils m'entendent et qu'ils vivent en paix. Et ça, c'est tout. Et habituellement, mes amants, mes amis, mes parents, mes tumne, alors oui, Capen, oh, il n'aurait pas rien. Agradece vocês. Je vous remercie à tous qui sont ici en train de m'entendre. Je vous souhaite un bon soir à tous. Maintenant, j'aimerais demander au cacique Mégaron, qui était donc présent lors de ce tout premier voyage en 1989, ce dont il se souvient
de ces voyages-là autour du monde, de sa rencontre avec François Mitterrand et de cet engouement extraordinaire qu'ils ont eu de tous ces pays qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont visités, il y a maintenant 25 ans exactement, 17 pays. Quels sont ces souvenirs de cette tournée qui est restée dans toutes les mémoires? Bonsoir. La première fois que mon oncle Raoni Sting sont venus ici pour faire une campagne en vue de la démarcation des terres indigènes, Mekranoti. J'étais avec lui, mon oncle. J'ai accompagné ce travail, son travail avec Sting. Et les pays que nous avons visités, nous avons dit pourquoi nous faisions ce voyage. Et ils nous ont aidés. Le peuple a aidé. Les peuples français, les peuples italiens, anglais, hollandais, partout où nous sommes passés, nous avons reçu de l'aide. On a levé des fonds pour délimiter les terres indigènes de Mekranoti. Ça a été un voyage et une campagne très bonne. Pela primeira vez que nós viemos para cá, la première fois que nous sommes venus, todos ajudaram. Tout le monde nous a aidés. Pessoal da Europa, en Europe toute entière. Estados Unidos, Canadá, États-Unis, Canada, Japon, Australia, Australie. Todo mundo deu dinheiro para demarcar a terra indígena. Tous ont donné de l'argent pour nous aider à démarquer les terres indiennes. Por quê? Porque mulher do cacique, parce que la femme du cacique pediu, a demandé meu tio, pour mon oncle ela viva, que aussi longtemps qu'elle serait vivante, ele podia demarcar, il aurait dû marquer sa terre, terra pra neto, pour que ses petits-enfants, pour ses petites filles. Dessa mulher. E o que, meu tio fez, c'est ce que mon oncle a fait. Sting, meu tio, Sting mon oncle, pedir ajuda, on a demandé de l'aide à todos os países, dans tous les pays doar dinheiro para demarcar essa terra. Pour qu'ils donnent de l'argent pour aider à la démarcation de cette terre. Cumpriu a promessa de demarcar. Enquanto mon oncle a payé cette promesse de démarcation alors Mekranoti a été délimitée pendant qu'elle était encore vivante. Maintenant elle est déjà décédée. Ça c'est le travail qui a été fait en 1989. Ça a été donc très bien. Et comme mon oncle vient de parler, mon oncle a toujours professé la même chose, la préoccupation avec la forêt, les rivières, avec la culture de nos peuples, la langue de notre peuple. Mon oncle veut, et nous aussi, que nous continuions avec notre tradition, notre coutume, notre façon de parler. C'est ça que nous souhaitons. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons rien prendre aux autres, nous voulons ce qui est à nous. Nous voulons cette terre que nous occupons traditionnellement. Nous sommes nés là-bas, nous sommes originaires de ce continent. Alors le travail qui a été fait pour la première fois, tout le monde a soutenu il y a 25 ans.
Mon oncle a déjà disparu, sa femme aussi. Je veux remercier au peuple français de toute l'Europe qui nous a aidés à délimiter les terres indiennes mécolonties. Et c'est de mon cœur, du fond de mon cœur, que je vous remercie. Alors, justement, puisqu'on parle de 1989, j'aimerais bien qu'on puisse rentrer un petit peu dans le tourbillon du temps, revenir en arrière. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent, mais en tout cas, le 12 avril 1989 exactement, au journal de 20h, vous découvriez ce personnage extraordinaire. Voilà, c'était un petit clin d'œil, puisqu'on célèbre le 25e anniversaire de son premier voyage, de leur premier voyage, parce qu'ils étaient là tous les deux. Maintenant, il est temps de faire parler un petit peu nos invités. On fait un petit bond dans le temps, 1989, donc cette tournée extraordinaire. Et puis après, pendant plusieurs années, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a ce succès, le cacique Raoni réussit à démarquer une grande partie des terres indigènes, et le monde oublie un petit peu de parler de l'Amazonie et pense que tout est résolu, et on n'entend plus trop parler du cacique pendant quelques années. Or, un événement assez incroyable se produit en 1999. Une très grande tempête frappe la France et provoque un mini cataclysme dans notre hexagone. Et le cacique Raoni arrive 6 mois plus tard, il revient 6 mois plus tard en France. Et là, d'un seul coup, évidemment, avec ces forces de la nature déployées sur notre territoire, les gens ont envie de l'entendre de nouveau. Et notamment, nous avons fait une visite à ce moment-là chez Philippe Desbrosses, qui est à ma droite, donc, que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure, et qui s'occupe de la ferme de Sainte-Marthe. Et tu nous as reçus à l'époque, Philippe, tu as reçu Raoni. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu tout ça. Je pense que je vais te passer un micro parce qu'il n'y en a pas de ce côté-là, c'est ça? Attends, je te passe un micro. Je viens parce que je retrouve dans la presse, dans la revue de presse de l'époque, les paroles très fortes de Raoni lorsque nous l'avons reçu à la ferme de Sainte-Marthe pour lui remettre symboliquement les graines importées par les conquistadors ou empruntées par les conquistadors et qui ont fait la prospérité de l'agriculture européenne. Je voulais simplement vous dire ce symbole très fort de la semence, de la graine, qui d'ailleurs maintenant sont devenues illégales, comme vous savez tous, qui ont fait la prospérité de l'agriculture européenne, parce que si on enlève les millions d'hectares de maïs, de pommes de terre, de tomates, de haricots, de courges, eh bien, il ne nous reste plus que les glands et les châtaignes, quoi. Donc, simplement, on a oublié cet épisode de notre agriculture qui, grâce aux graines qui viennent de l'Amérique précolombienne, a connu cette prospérité, cet emballement. Donc je reviens sur ce que nous a dit Raoni d'une manière très, très émouvante et très forte à la fois. Il a dit « Vous avez connu la peur que nous connaissons parce que dans de grands vents, on détruit votre forêt. Mais je vous le dis, si l'homme continue à détruire la terre, ces vents vont revenir avec encore plus de force. Pas une fois, mais plusieurs fois, tôt ou tard, et ces vents vont tous nous détruire. » Voilà, c'était des paroles prophétiques, puisque c'est vrai que ça a recommencé avec Cynthia en 2010 et qu'aujourd'hui, ce genre de phénomène s'accélère, comme vous pouvez tous le constater. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une zone de turbulence pour ne pas avoir respecté la Terre telle que la respectent les peuples premiers et les Indiens. Et on a lancé à la suite de ça pour le Rio 2020, Rio plus 20, pardon, une grande rencontre en parallèle du sommet de Rio, d'ailleurs, avec Raoni et Edgar Morin sur le thème retour à la Terre. Essayons de nous rapprocher de la Terre qui est désertifiée de toutes parts, encore plus d'ailleurs en Occident, et de plus en plus fréquemment, de plus en plus vite. Et donc, ce qui est important, et Raoni le dit très bien, il faut que nous restions les gardiens de la terre. Il veut rencontrer dans sa grande tournée de cette année ce qu'il appelle les derniers gardiens de la terre, les Vandana Shiva, les Pierre Rabhi, etc. Et je crois que c'est très important que nous l'accompagnions, que nous le soutenions, que nous soutenions ces initiatives, qui vont de pair d'ailleurs avec
une grosse opération que nous menons aussi parallèlement, qui est libérons les graines. Libérons les graines, parce que les graines qui ont accompagné... Merci. Les graines qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis les origines sont devenues, le croiriez-vous, illégales. Et vous pouvez avoir de gros ennuis si vous cultivez ces graines qui ne figurent pas dans les catalogues officiels. Et tout ce qui n'est pas enregistré n'existe pas. Et bien, on a décidé, avec beaucoup de mouvements jeunes, la ruche qui dit oui, c'est incroyable, comestible, terre et humanisme, cocopélie, etc., de lancer une grande opération en 2014 pour qu'on arrête cette mascarade, qu'on arrête cette imposture qui nous empêche de préserver cette biodiversité au bénéfice de quelques multinationales. J'espère que vous nous aiderez aussi pour cela. Et c'est aider des revenus. Merci Philippe. Ça me fait penser, ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose que je sais qui est lié au barrage de Bellomonte, de ce qui se passe sur place. Vous savez qu'il y a évidemment des gens qui vivent de façon traditionnelle au bord des fleuves amazoniens depuis des dizaines d'années, depuis des centaines d'années. Et figurez-vous qu'autour du barrage de Bellomonte, maintenant, on leur interdit de cueillir tel fruit. Ils peuvent aller en prison, ils peuvent avoir des amendes, ils n'ont plus le droit de cueillir tel fruit, faire tel tressage, faire telle tradition. Ce sont des choses dont on parle très peu, mais qui sont absolument insensées et qui me rappellent un petit peu ce que tu dis au niveau des graines, quoi. Bon, c'était juste pour faire la liaison. En ce qui concerne, en tout cas, cette histoire de Bellomonte, j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu, puisque c'est un combat qui, malheureusement, est revenu d'actualité. Il y a 25 ans, le cacique Raoni, cacique Mégaron, un autre cacique qui s'appelle Payakan, Sting et d'autres ont réussi à casser la première version du barrage de Bellomonte. Ça s'appelait à l'époque Cararao. Et je voudrais que Mégaron nous rappelle un petit peu cette histoire de Cararao et comment ils ont réussi la première fois à empêcher ce projet de se développer, à arrêter, à faire en sorte qu'il soit cassé. Donc, malheureusement, après, évidemment, il y a cette suite malheureuse où ça a repris, mais j'aimerais qu'ils nous remémorent ça. Le premier nom que le gouvernement a donné à ces barrages, Cararao. C'est Cararao. 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 Dans ma langue. Signifie un cri de guerre. Dans cette campagne de 1989. Lorsque le gouvernement venait de commencer les projets, nous nous sommes réunis pour discuter ce qu'on devait faire pour dénoncer ces projets du gouvernement. Moi, Payakan, Beryl, nous sommes allés aux États-Unis. Parler avec le président des États-Unis pour dénoncer ces projets. Tout le monde nous a soutenus dans le sens d'arrêter les projets. Tout le monde a participé à ça. Tous les peuples indiens, tous les écologistes, tous les médias ont appuyé, ont demandé que ces projets soient arrêtés. Les projets de Cararao. C'est la raison pour laquelle il a changé le nom pour Bellomonte. Il a eu la participation de tout le monde. Le monde entier nous a appuyés pour arrêter ce projet. C'est pour ça qu'il a été mis dans le tiroir pendant 20 ans.
governo Lula que abriu. C'est le gouvernement Lula qui a ouvert. A construção do Belo Qui a réouvert la construction de Belo Monte. Então, que, os indígenas foram contra. Les Indiens ont été contre. Ambientalistas foram contra. Les écologistes ont été contre. Ribeirinho. Les riverains, pescador, les pêcheurs, les petits producteurs, tout le monde était contre. Mas o governo tá, mais le gouvernement tá fazendo, tá construindo, s'entête à les construire, que vai, qui va porter préjudice à beaucoup de gens. Il va inonder des terres indiennes. Então, isso que vai acontecer. C'est então, ce qui va arriver. Essa é a história do, ça, c'est l'histoire. Do barrage de Belo Monte. Ça, c'est l'histoire du barrage de Belo Monte. Então, obrigado pela atenção. Merci pour votre attention. Boa noite. Alors, évidemment, c'était une victoire extraordinaire il y a 25 ans qui a provoqué un enthousiasme fou. Un espoir fou également. Malheureusement, figurez-vous que c'est un président qui est celui qui est le plus populaire de l'histoire brésilienne. Il s'appelle Lula da Silva, qui est du parti PT, donc le parti des travailleurs brésiliens, qui était considéré comme l'ami des Indiens et de tous ceux qui se battent pour l'environnement au Brésil, pour qui tout le monde a appelé à voter à cette époque-là. Ils avaient énormément d'espoir en lui. Qui a réactivé ces projets de grands barrages, qui a pactisé en quelque sorte avec les destructeurs de l'Amazonie et qui a planté un coup de poignard dans le cœur de tous les Indiens d'Amazonie qui croyaient en lui. Donc Lula, voilà, pendant sous son gouvernement, l'actuelle présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a été ministre de l'énergie et s'est faite l'ambassadrice d'un processus d'accélération du développement brésilien qui passe par la construction d'énormément de grands barrages en Amazonie. Felipe Milanes, qui est en bout de table, a assisté à la première grande réunion qui est née suite à l'inquiétude de ce projet qui a refait surface sous un autre nom, donc il s'appelait Cararao, comme l'a rappelé Mégaron en expliquant que c'était le nom d'un cri de guerre. Et ce projet réapparaît dans le milieu des années 2000. Et là, les grands chefs se rassemblent. Ils sont à Piaraçu, d'ailleurs, qui est le village du cacique Mégaron. Et là, sont appelés tous les chefs, Kayapo et d'autres aussi sont invités pour se réunir et faire une réunion, un conseil de guerre pour savoir ce qu'il se passe exactement. Et j'aimerais bien qu'ils nous racontent ce moment assez extraordinaire qui est vraiment le premier moment de la nouvelle bataille de Belo Monte. Felipe, c'est à toi. Merci. Gert, merci à tous de Planète Amazon pour avoir fait cette grande campagne et aussi pour la reconnaissance de Cacique Raoni. C'est un immense honneur pour moi, en tant que Brésilien, d'être ici et voir que Raoni il a une reconnaissance très importante en France. Mais c'est une honte pour moi savoir que ce n'est pas pareil au Brésil. La semaine passée, Raoni, pendant qu'il était à Brasilia pour demander ses droits, il a souffert de la violence de la police au Brésil. Il a été intoxiqué par du gaz, il a été humilié par le gouvernement brésilien. Donc c'est une honte, il y a beaucoup de gens qui luttent pour qu'il lui soit reconnu comme le grand chef qu'il est au Brésil. Mais peut-être on doit attendre l'effet boomerang qui soit reconnu avant à l'extérieur pour après, finalement, au Brésil. Raoni, c'est une personne extraordinaire, comme tout vous savez. Il a croisé la dernière moitié du siècle passé pendant que l'Amazonie a perdu 20% de la forêt. Raoni, il a eu le premier contact avec les Blancs par Vilas Boas, qui lui a appris portugais. Dès le début, il est un leader très important parmi, pas juste de son peuple, mais de tous les peuples du Xingu, parce qu'il a travaillé à la FUNAI pour faire la pacification comme un diplomate des peuples indigènes. Il a aidé pas juste les peuples Kayapo,
mais tous les peuples du Xingu et de l'Amazonie pour lutter contre les minéries d'or, les bois illégaux, la violence de la dictature militaire. Et on voit que maintenant, Raoni, qui a lutté contre la violence de la dictature militaire, il doit lutter contre la violence du développement du Brésil. En 2006, pendant que j'ai travaillé à la FUNAI, j'ai eu de la chance d'aller en tant que journaliste visiter Raoni dans le village Piarassu. Il avait un rassemblement de 200 chefs Kayapo, des guerriers et des Benadjuri. C'était la première fois que j'avais entendu parler du mot Benadjuri. Benadjuri, c'est la chefferie de Kayapo, un système politique très sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que le système occidental, parce que les chefs, chez les Kayapo, ils n'ont pas le pouvoir pour utiliser le pouvoir juste pour l'autorité, comme ici, pour le totalitarisme, pour imposer une volonté personnelle. Les Benadjuri, ils ont le pouvoir pendant trois situations. Soit la situation de guerre, soit la situation d'une catastrophe naturelle, comme c'est là qu'on vit maintenant, c'est pour ça qu'il est maintenant ici, et aussi quand il y a des conflits internes. Et son pouvoir s'est exercé par la parole, c'est pas par l'imposition de la force. Moi, j'étais étonné pour voir tous ces grands chefs ensemble pour discuter les barrages de Belmonte à ce moment-là. Pour moi, c'était une chose nouvelle en 2006, et comme l'idée de Benadjuri. Moi, j'avais peur pendant la FUNAI parce que les Kayapo, ils étaient très fâchés avec le gouvernement brésilien. Mais Raoni, il n'était pas comme aujourd'hui. En ce moment-là, il venait d'un moment très difficile dans sa vie. Il avait perdu son fils deux ans avant. Il était déjà à la retraite du pouvoir politique Kayapo. Il voulait être tranquille parce qu'il avait entraîné son fils pour faire la lutte. Donc, il avait lutté déjà pour démarquer la terre. Il avait lutté contre la dictature avec les Villas Boas. Et c'était son moment de rester tranquille dans son village. Mais son fils, pendant qu'il venait, il revenait d'une réunion à la FUNAI, un accident terrible a pris la vie de 10 Kayapo. Et Raoni, il a décidé d'être dans un deuil, un long deuil. Il ne voulait plus lutter. C'était fini pour lui. Pendant cette réunion, il s'est peint. Il a peint son corps en noir. Et ça a changé. Il a eu un rêve avec Mekaroni, un esprit. Il m'a raconté cette histoire quand on était au village. Je n'ai jamais oublié. C'était super fort pour moi. C'est pour ça que je partage avec vous. Il a eu un rêve avec un guerrier Kayapo qui était tout peint en noir avec la borduna. Il était dressé comme Raoni, il était fâché, il disait pour Raoni de lutter, revenir, parce qu'on avait besoin de lui, le peuple Kayapo avait besoin de lui. Il a décidé en 2006 de revenir à la lutte politique contre les barrages, parce qu'il a su qu'après la constitution fédérale de 88, après avoir la terre, après gagner de la dictature militaire au Brésil, il devrait encore lutter. C'est une personne extraordinaire. On a tous à apprendre beaucoup avec lui. C'est une inspiration de vie. Et maintenant, il est là. Il lutte. Il lutte pas juste contre Belmonte. Il lutte pour la démocratie des peuples qui doit écouter les peuples indigènes au Brésil, et tous les peuples autochtones. Il lutte pour la terre où il est né, Bajoncore, qui n'est pas encore démarquée. Il lutte pour que ça soit protégé, là où il est né, là où son père, les cimetières où reste son père. Je suis très heureux, c'est un honneur que Raoni a décidé de lutter. On a tous besoin de lui. Et c'est un grand plaisir d'être ici, dans son côté, il voit qu'il est tellement fort. C'est une inspiration pour nous, qui doit lutter beaucoup pour changer, pas juste Belmonte, mais toute la crise que le monde traverse aujourd'hui avec le climat, avec la destruction de la nature, avec un système capitaliste qui a détruit
l'État social européen, avec l'extrême droit qui est revenu ici en France. On a une inspiration de lutte. Raoni, c'est une inspiration de lutte. Merci. Merci pour ton témoignage, Felipe. Merci, Felipe, pour ton témoignage. C'est un témoignage extrêmement émouvant et qui me rappelle, qui me prend particulièrement au cœur parce que j'ai connu le fils de Raoni et j'ai voyagé avec lui et c'était quelqu'un auquel je tenais beaucoup. Et on a une pensée pour lui aujourd'hui. Mais pendant des années, Cacique Mégaron n'a pas pu voyager par rapport à son engagement qu'il avait au Brésil, en Europe. Et notre très grande fierté à Planète Amazon, c'est de l'avoir ramené en Europe avec son oncle, parce que c'est un personnage extraordinaire aussi, qui depuis 50 ans, de façon extrêmement discrète, est dans l'ombre de son oncle, mais qui a été aussi élevé, en tout cas, par les frères Villas-Boas, qui lui ont appris le portugais, qui sont devenus ses mentors, ses deuxièmes pères en quelque sorte, et qui a à la fois l'inspiration du cacique Raoni et l'inspiration des frères Villas-Boas. Et je suis extrêmement heureux que maintenant il voyage régulièrement avec son oncle à travers le monde et un jour ce sera lui qui fera la suite. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être aussi assis, c'est un honneur pour nous tous d'être en présence de ces deux hommes. Voilà. Ce que je voulais vous dire... C'est très intéressant, Felipe, l'histoire que tu as racontée, parce qu'en effet, en 2006, quand tu assistes à cette réunion, le cacique est en effet en train de se reposer. Il va repartir, il va reprendre la route. Je le retrouve moi-même en 2009, et c'est là que va reprendre les voyages internationaux. Nous rencontrons Sarkozy de façon fortuite à Brasilia. Sarkozy l'invite en France. Il ne le reçoit pas. Et nous sommes pris après dans une spirale qui continue jusqu'à maintenant, puisque le cacique est encore ici pour vous parler notamment du barrage de Mélomonté, mais pas seulement. Mais je voudrais aussi faire venir une personne qu'on a vue dans le film beaucoup et qui a sa place à nos côtés aujourd'hui. C'est toi, Christian. J'aimerais que tu nous rejoignes maintenant parce que tu as une importance dans cette lutte. Viens t'asseoir à côté de nous, s'il te plaît. Christian travaille dans une organisation qui s'appelle Amazon Watch. Viens par ici, s'il te plaît. On va te faire une place. Et il a notamment participé énormément à la médiatisation internationale de la cause de Mélomonté avec tout le travail qu'il a fait avec James Cameron, notamment, du réalisateur d'Avatar et de Terminator et de tant d'autres films. J'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ce barrage de Mélomonté qui revient un petit peu tous à nos visages et comment vous avez appréhendé cette lutte et quel rôle le cacique a pu jouer dans cette médiatisation, au-delà de cette médiatisation, dans ce combat que nous essayons tous de mener de façon internationale. Tiens, je te passe mon micro. Merci Gert, merci à tous d'être venus. Merci surtout au cacique Raoni, cacique Mégaron d'être ici avec nous. Comme on a tous dit, c'est un grand honneur d'être avec eux aujourd'hui, ce soir, à présenter cette histoire qui est très compliquée, très triste, mais aussi très émouvant, qui nous donne l'espoir, parce qu'on sait que c'est une lutte qui n'est pas finie. On continue à lutter pour la préservation de la nature, pour la préservation de l'Amazonie, qui est de nous tous, comme Chico Mendes a dit. Et pour répondre à la question de Gert, nous avons travaillé avec James Cameron, comme on a vu dans le film, au début de la film. Je pense que le cinéaste André Delay a bien fait de mettre James Cameron très tôt dans le film, parce que c'est grâce à lui, à tout son activisme au Brésil, que le monde a connu Mélomonté. Et c'est bien sûr grâce au travail de Cacique Raoni aussi que le monde a connu Mélomonté. Mais bien sûr, on sait très bien que les cinéastes, que les vedettes, de temps en temps, ils reçoivent une attention encore plus forte pour appeler l'attention du monde. Et c'est ça qu'on a vu avec James Cameron. Alors, il nous a beaucoup aidés à emmener cette histoire au monde, aux États-Unis,
le New York Times, par exemple, qui a beaucoup écrit sur Belo Monte, et ça a eu un impact très important au Brésil. Et bien sûr, ça a eu un impact très important en France et dans le monde. Alors, James Cameron aussi a travaillé directement avec Cassie Crowney, et Cassie Crowney a été une inspiration pour lui. La deuxième fois qu'il est venu en Amazonie, Cassie Crowney était présent dans un village de Kayapo Chikrin, sur un fleuve à côté du fleuve Xingu. Et on a fait une réunion ensemble. Et là, vraiment, j'ai vu que James Cameron était très, très amoureux par la présence de Cassie Crowney. Je pense qu'il a eu une relation assez intense, les deux, en conversant, en inspiration. L'un a inspiré l'autre. Et comme ça, James Cameron a pu vraiment aider le mouvement contre Belo Monte pendant plusieurs années. C'était vraiment grâce au caractère, aux puissances de leaders comme Cassie Crowney que Cameron a été inspiré dans cette lutte. Alors, on voit aujourd'hui que Cameron continue à lutter pour les causes environnementales, pas forcément Belo Monte. Mais je voudrais dire que vraiment, sa présence était très importante dans cette lutte. C'est pour ça qu'on connaît très bien le cas de Belo Monte, à mon avis, à lui, et bien sûr, aux luttes du passé qu'on a connues ce soir, la lutte de Cassie Crowney et Mégaron, et les autres qui ont lutté pour les années avant. Alors oui, c'est quelque chose qui dure jusqu'à présent, qu'aujourd'hui on connaît les autres luttes, par exemple pour sauver le fleuve Tapajós, qui est le prochain à être barré si on le laisse faire. Et je pense que la lutte de Kayapo va continuer à être très importante, très centrale, à poser ce mouvement désastreux en Amazonie. Maintenant, je vais donner la parole à Valérie, parce que Valérie, on a parlé dans ce reportage-là de la Constitution brésilienne. 88, ils avaient gagné des droits très importants. Et ces droits ne sont pas respectés. Actuellement, ils sont au Brésil en train de se battre contre les grands propriétaires terriens qui ont des groupes parlementaires extrêmement puissants qui sont en train d'essayer de détruire tous les droits qu'ils ont acquis de haute lutte. Avec Valérie, Valérie m'a contactée en 2011. Elle avait fait un travail avec une autre ethnie au Canada. Et je voudrais qu'elle me raconte ça, pourquoi, qu'elle nous dise aussi pourquoi elle a eu envie d'entrer dans ce combat, dans cette lutte. Et nous avons partagé quelques moments extrêmement intéressants ensemble. Valérie, donc, porte la porte-parole de l'initiative End Ecocide. Elle va dire un tout petit mot aussi sur ça pour conclure, puisque Raoni et Mégaron soutiennent cette initiative. Valérie, c'est à toi. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a des hommes qui nous inspirent. Moi, je me souviens à 20 ans, effectivement, avoir découvert Raoni et avoir ouvert Voile et Voilier et chercher des annonces pour monter sur un bateau et filer droit au Brésil. Il y a des hommes qui nous inspirent et puis qui nous donnent du courage et surtout une conscience. Et Raoni vraiment fait partie de ces personnes-là qui m'ont amené dans ma vie à parcourir le monde, à aller à la rencontre des autres peuples dans plus de 40 pays, à mener des études pour me spécialiser en particulier sur les droits de l'homme, et de façon plus spécifique sur les droits des peuples autochtones, parce que quelque part, je sais que vous en êtes convaincus, la façon dont ils vivent en harmonie avec la nature est probablement la seule et unique façon que l'on pourrait adopter pour préserver l'humanité sur Terre et de par ce fait préserver la planète, la biodiversité. Et aujourd'hui, on est tous en train de devenir quelque part des peuples autochtones face à ces grandes multinationales, parce que quand je suis partie, par exemple, travailler avec effectivement les Innus au Québec, Innus que Raoni connaît, puisque le village où je travaillais, la réserve indienne plus exactement, où je travaillais, Raoni est allé les rencontrer en 2001
pour leur expliquer comment s'affranchir de cette tutelle que les colons leur avaient imposée, puisque Raoni est un homme libre et que beaucoup, beaucoup d'Indiens en Amérique du Nord sont aujourd'hui parqués, sont dépossédés de leurs terres, sont dépendants de l'aide sociale, ne se nourrissent plus que de bière, de Coca-Cola et de fast-food, meurent de suicide, meurent de diabète, meurent très très jeunes. C'est des populations qui, à l'heure actuelle, ont les taux de mortalité les plus hauts du monde, pire qu'en Afghanistan. Et quand je vois comment le monde évolue, je me dis, on est tous en train de devenir des esclaves d'un système. Et il est vrai que, en même temps, à la rencontre de ces populations qui tentent de redécouvrir leur spiritualité d'origine, leur communication naturelle avec les éléments de la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec la médecine traditionnelle, j'ai été réappelée quelque part entre 2006 et 2009 vers ce combat. Et j'ai donc rejoint, enfin en tout cas j'ai quasiment créé Planète Amazon avec Gert, Peter Bruch, pour remédiatiser effectivement ces problématiques. Et à ce moment-là, on a découvert que le programme de ce grand barrage Belo Monte était de nouveau d'actualité et avait été autorisé par le gouvernement brésilien en juin 2011. Et là, je me suis dit, forte de ses compétences en droit, comment peut-on faire pour arrêter cela? Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que, vous le savez, le Brésil n'écoute aucune des demandes internationales et des, je dirais même, des plaintes internationales qui ont été faites à son encontre. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé la suspension des travaux du barrage et a demandé au Brésil de venir s'expliquer à Washington. Ils ne sont même pas déplacés. Les Nations Unies, à plusieurs reprises, ont rédigé des rapports pour demander au Brésil de respecter les droits des populations autochtones. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une déclaration internationale des droits autochtones que les peuples autochtones du monde ont rédigée et qui a été adoptée par les Nations Unies en 2007. C'est un outil qui n'est pas contraignant, mais c'est un outil symbolique extraordinaire, puisque pour la première fois dans le monde, il a été reconnu que les populations autochtones avaient le droit à leur propre spiritualité, à leur propre mode de vie, le droit de gérer leur territoire. Et de la même manière, il existe une autre convention internationale qui, elle, est contraignante, qui est une convention liée à l'Organisation internationale du travail, et qui pose le principe que pour tout projet qui affecterait des terres indigènes, les populations doivent être consultées au préalable. Et au nom de cette convention numéro 169, cette convention qui a été signée par le Brésil, la communauté internationale a demandé à multiples reprises au Brésil d'arrêter ce projet puisque, de fait, les populations n'ont pas été consultées. Il leur a été demandé de se réunir 3 jours après avoir reçu un pavé de 20 000 pages sur les études d'impact locales, dans une langue qui n'était pas la leur, et de donner un avis sur la question. Vous comprenez bien que c'est une mascarade. Alors, face à ce constat, nous avons emmené Raoni à Genève, d'une part pour rencontrer l'ONU, d'autre part pour rencontrer l'OIT, cette fameuse Organisation internationale du travail, et dire à l'OIT, écoutez, il est temps de porter plainte contre le Brésil. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors, il y a une enquête qui est en cours, mais moi, à mon niveau, ça ne me satisfaisait pas. Et j'ai donc encore réfléchi à la question en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, enfin, le droit international s'applique et que l'on puisse interdire, effectivement, ce type de projet qui, par-dessus le marché, vous le savez, n'est pas écologique, n'est pas rentable, et a même été décrié par la commission des grands barrages dans le monde
parce que c'est un méga barrage, ça va être le troisième plus grand barrage au monde, et que les réservoirs qui sont construits quand on construit ces barrages inondent une quantité d'arbres très importante qui produit du méthane. Le méthane est 23 fois plus polluant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre, et donc qui contribue en plus au changement climatique. Et donc nous avons monté, il y a maintenant presque 2 ans, effectivement une initiative européenne au départ, qui propose, qui à l'heure actuelle donc propose d'inscrire dans les prérogatives de la Cour pénale internationale le crime environnemental que nous nommons le crime d'écocide. À l'heure actuelle, donc, il existe une charte qui appelle la communauté internationale à cela, qui est signée par plus de 85 organisations, qui est en train d'être traduite dans toutes les langues du monde pour qu'elle puisse effectivement être signée par un maximum d'organisations dans le monde. Et elle est bien évidemment ouverte à signature des citoyens, des personnes comme vous partout. Intelligence verte l'a signé, Planète Amazon l'a signé, bien évidemment. Et nous travaillons avec des juristes bénévoles, des cabinets d'avocats en Angleterre, en France, pour proposer un amendement très précis à la Commission du droit international qui se réunit en 2015 pour réviser le statut de cette Cour pénale internationale qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, a été créée en 2002 et juge les pires crimes contre l'humanité et contre la paix, c'est-à-dire le crime de génocide, le crime de guerre, le crime d'agression et le crime contre l'humanité. Et nous considérons qu'un cinquième crime doit être reconnu, un cinquième crime contre la paix, qui est le crime environnemental, le crime d'écocide. Parce que l'homme a fortement tendance à oublier que sans la nature, sans la planète, il va à sa perte, et que toute personne, toute multinationale qui commet un crime environnemental commet un crime contre l'humanité de fait. Et nous savons aussi que le changement climatique, la raréfaction des ressources terrestres aujourd'hui, la chute de la biodiversité qui nous mène à l'heure actuelle à l'aube d'une sixième extinction des espèces sur Terre, va engendrer des conflits majeurs. Et c'est là où je rejoins parfaitement Raoni quand il nous rappelle que son combat est d'abord et avant tout un combat pour la paix, parce que cette crise écologique va être une véritable déclaration de guerre entre nous tous, entre les peuples. Donc nous espérons que dans la définition du crime environnemental soit reconnu d'une part le crime contre l'humanité, d'autre part le crime d'écocide culturel, c'est-à-dire quand un peuple autochtone voit son mode de vie détruit par la destruction de son environnement. Et dans ce cadre, effectivement, il y a un risque de ce qu'on appelle un ethnocide, donc un génocide culturel. Nous demandons à ce que l'écocide soit aussi reconnu comme un crime contre les générations futures, puisqu'il s'agit bien de cela aujourd'hui, et bien évidemment qu'il soit reconnu comme un crime contre la nature, et par ce biais, nous rejoignons les pays qui, aujourd'hui, ont commencé à reconnaître des droits aux animaux, à reconnaître le droit à l'eau, à reconnaître le droit à la liberté des semences, tous ces droits-là qui ne devraient absolument plus jamais être gardés entre les mains de multinationales qui, à l'heure actuelle, s'enrichissent sur, quelque part, un génocide annoncé de l'humanité et des générations futures. Voilà, donc je vous encourage. Bon, on approche de la fin, on va terminer vite parce que le cacique est très fatigué. Je voulais parler du présent, on a fait un tour vers le passé. Maintenant, on va parler du présent, de la lutte qui continue. Il y a des t-shirts SOS Amazonia ici, des t-shirts Stop Belo Monte. Ceux qui ont ces t-shirts savent très bien que le combat est loin d'être fini. Je voudrais maintenant faire parler Olivier Petitjean, qui nous fasse un résumé assez rapide, si possible, sur l'implication de nos entreprises françaises dans les projets de grands barrages, pour que vous, qui êtes ici,
ayez un petit peu la mesure de ce qui se trame en ce moment et de ce que nous devons tenter par tous les moyens d'éviter. Il se trouve que hier nous étions à l'Assemblée nationale et que pour la première fois le mot Belomonte a été prononcé devant tous les députés qui se sont levés pour applaudir le cacique. C'est bien qu'ils applaudissent le cacique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des actes suite à ces applaudissements. Ensuite, pour la petite anecdote, nous avons croisé hier le président de GDF Suez lors d'un colloque qui était organisé par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Il faut savoir qu'un rendez-vous était prévu dans l'agenda depuis un petit moment, et que quand nous sommes venus aujourd'hui rencontrer M. Mestrallet, il n'était pas là et il y avait 4 personnes qui le représentaient. Donc évidemment, les 2 caciques se sont levés et nous sommes partis. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote. Olivier. Merci, Gert. Je ne vais pas vous fatiguer avec un très long exposé à cette heure tardive. Et peut-être préciser, on a beaucoup parlé du rôle de la politique menée par le gouvernement brésilien et pour la critiquer, mais ce qui se passe au Brésil, la destruction de l'Amazonie, les atteintes aux droits des peuples indigènes, c'est aussi l'expression, le résultat de forces économiques internationales. Et quand je parle de logique économique internationale, c'est des logiques qui sont portées par des acteurs internationaux comme les grandes multinationales, et ces acteurs ont une responsabilité dans ce qui se passe, ne serait-ce pas par le fait qu'ils choisissent de ne rien dire, de ne rien faire et de ne pas et de participer à ce qui se passe. Et en ce qui concerne les grands barrages, il y a vraiment, c'est très assez peu connu en France, mais il y a vraiment une spécificité française, c'est-à-dire que dans le secteur des grands barrages amazoniens, il y a des entreprises brésiliennes qui sont actives et des entreprises françaises, et il n'y a pas d'entreprises américaines, très peu de chinoises, etc. Donc, et là, je vous parle d'Alstom, qui est sous les feux de l'actualité en ce moment, mais qui est un des principaux fabricants de turbines pour les barrages au niveau mondial, et qui participe au barrage de Belo Monte pour un contrat qui est quand même a une valeur de 1 milliard d'euros en tout, et qui a joué un rôle moteur en faisant du lobbying pour que ce barrage soit bien construit malgré toutes les difficultés financières, techniques et les résistances locales. Je vous parle de GDF Suez, qui est une entreprise dont l'État français détient quand même 36%, et qui a construit un autre méga barrage un peu de l'autre côté de l'Amazonie brésilienne à Jirau, et qui construit des barrages en Amazonie péruvienne, et qui est aussi dans la course pour construire d'autres barrages dans le bassin du Rio Tapajos en Amazonie dont parlait Christian. Et je vous parle, grande nouveauté, parce que visiblement les expériences passées n'ont pas suffi à persuader d'autres entreprises de se lancer dans la course, je vous parle d'EDF, une entreprise dont l'État français détient 84%, et qui est actuellement en négociation pour reprendre, et c'est presque officialisé, un barrage dans le bassin du Telespérès, le barrage de Sinop. À côté de chez eux. Et qui compte participer à la construction d'autres barrages, toujours dans le bassin du Rio Tapajos par la suite. Donc voilà le tableau général. Donc la lutte contre les grands barrages en Amazonie va se déplacer, en train de se déplacer vers le Rio Tapajos, et les groupes français, GDF Suez, EDF en particulier, mais Alstom à un autre niveau, sont directement concernés. Et je pense qu'ils ont un rôle critique dans ce qui se passe, parce que la présence de groupes européens donne une caution morale au gouvernement brésilien pour continuer à faire ce qu'il fait en Amazonie. Et ça, c'est très important. Et je pense que si les groupes français choisissaient de ne pas faire ou de mettre le haut là, ces barrages ne seraient pas construits. On va continuer la pression sur GDF Suez, Alstom et EDF, si vous le voulez bien. Vous êtes avec nous pour ça, j'espère. Voilà. Bon, alors maintenant, quelques remerciements, puisque la soirée va s'achever avec des prises de parole, évidemment, de nos 2 grands invités. Je voudrais remercier en tout premier lieu toute l'équipe du Conseil économique, social et environnemental. Vous imaginez quand même le pas qu'on a franchi en présentant ce film ici et en parlant de ces thématiques ici. Je les remercie du fond du cœur. C'est vraiment un accueil exceptionnel qu'ils nous ont fait ce soir. Je veux remercier aussi tous les gens qui ont rendu possible la projection de ce film, notamment le réalisateur André Delia, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est extrêmement honoré que son film soit présenté devant vous aujourd'hui.
Je veux remercier Stéphane Brie qui a fait les sous-titrages et qui a travaillé d'arrache-pied au Brésil, un Français qui est là-bas au Brésil et qui fait un travail extraordinaire pour, nous, pour soutenir la lutte de façon internationale. Et Aurélia qui est ici qui a fait aussi les sous-titrages là devant moi. Merci Aurélia qui a permis aussi que ce film puisse être montré ce soir. Je veux remercier aussi toute l'équipe des bénévoles de Planète Amazon qui font un travail extraordinaire avec des moyens tout petits et nous sommes tous extrêmement fatigués. Mais on tient le coup, on est porté par deux chefs extraordinaires. Et ce que je voulais vous demander, c'est que, donc ils vont parler, après on va diffuser une dernière fois le spot SOS Amazonia Stop Belo Monte. Vous entendez le slogan dans ce spot qu'on a vu, SOS Amazonia Stop Belo Monte. À partir du moment où vous l'entendrez, ce serait extraordinaire si vous pouviez le reprendre encore et encore et encore et que le cacique puisse partir avec ces phrases-là répétées à l'infini, pratiquement à l'infini, puisqu'il va bien falloir s'arrêter. Maintenant, je voudrais que le cacique, pour terminer, les deux dernières prises de parole, que le cacique Mégaron nous explique à quel point les droits des populations indigènes, puisqu'il faut bien parler de cette réalité-là, de ce combat qui continue, à quel point les droits sont menacés actuellement au Brésil, la PEC 215, l'ordonnance 303, la portaria 303, ça se passe ici, maintenant, et le monde entier doit savoir ce qui se passe. Une fois encore, je voudrais remercier votre patience à nous entendre. Entendre les problèmes qui atteignent notre terre et les peuples indiens qui vivent au Brésil. Nous sommes toujours menacés. Nos droits ne sont pas respectés. C'est ce que nous, les Indiens, souffrons depuis le début de l'invasion jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voulions que essa mentalidade, esse pensamento, nous voudrions que cette mentalité, ces pensées, ces préjugés, esse falta de respeito, ces manques de respect mudasse, disparaissent. E conscientizar as crianças para mudar et que les enfants prennent conscience et qu'ils changent et prennent indígena, la respeitar indígena, et apprennent à respecter les terres indiennes, o direito indígena, les droits eles, indiens, como cada indígena são. Et regarder chaque cada indien comme ils sont, tem costume, língua diferente qu'ils ont des coutumes et des langues différentes. Então, isso que podia ser respeitado, et c'est pour ça que mérite d'être respecté. Et chacun respecte l'autre, comme mon oncle Rony a dit. Todo mundo tem que respeitar outro. Chacun doit se respecter les uns les autres. É isso que nós queremos pedir aqui. Et c'est ce que nous voulons demander ici. Pedir apoio et demander l'appui de vocês, como a gente recebeu apoio de assinatura do contra Belo Monte. Que vous nous donnez votre appui, vos signatures contre Belo Monte. Então era isso que eu queria falar mais uma vez, agradecer a paciência de estar escutando nós. Obrigado. C'est ça que je voudrais remercier pour avoir la patience de nous avoir entendu. Bon, la dernière parole pour le cacique Raoni. C'est son honneur aujourd'hui, vous êtes là pour lui et il a ouvert, c'est lui qui va terminer. Mana ika benya bidwa me mare mana meima moya meika ne mekin moya punuga meka prin me bakra me babe meka ne kute me parikan gu me baka prin rai iya ke jaka meiku jua me aku ni ku jua ma Gumé, bah moi venir à B, t'en es là.
Quero falar mais uma vez. Voudrais dire encore une fois. E falar de novo a minha preocupação. Mon souci. E pedir para que todos nós seja amigo um do outro. Pour que nous soyons tous amis les uns les autres. Eu quero falar de novo que je voudrais répéter que nous devons être joyeux, contents, qu'il n'y ait pas de bagarres. Não pode ter briga, não pode ter tristeza, il ne peut pas ter avoir ter de tristesse, raiva, la rage. Brigar. Isso eu quero falar mais uma vez. C'est ce que je voudrais répéter encore une fois. Um abraço para todos vocês. É só isso que eu quero falar de novo. Et je vous envoie une grande accolade, c'est tout. SOS Amazonia, SOS Amazonia, Stop Belo Monte, 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 SOS Amazonia. Stop Belo Monte! SOS Amazonia! 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 Stop Belo Monte! Para não acontecer um problema sério. SOS Amazônia, Stop Belo Monte. SOS Amazônia, Stop Belo Monte. SOS Amazônia, Stop Belo Monte. Merci à tous d'être venus, merci.